Au nom de Rogers, il me fait grand plaisir de vous présenter la lauréate de la catégorie Recherche et innovation, Madame Annie Sansfaçon, professeure agréée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Madame Pauline Sansfaçon est l'une de ces femmes qui, grâce à sa persévérance, ses recherches et sa volonté, a réussi à faire de ses recherches des moteurs de changement dans notre société. Grâce à elle, la vie de plusieurs centaines d'enfants transgenres au Québec a été transformée. Fort de son travail au doctorat en éthique et service social de la Montfort University en Angleterre, elle a adapté ses connaissances sur l'éthique des bonnes pratiques en intervention afin de développer des projets de recherche qui sont anti-oppressifs et qui contribuent à redonner du pouvoir aux groupes qui y participent. C'est d'ailleurs suite aux multiples actions de celle-ci qu'en 2016, l'Assemblée nationale du Québec a voté le projet de loi 103 à l'unanimité visant à renforcer la lutte à la transphobie en améliorant notamment la situation des enfants trans. Ce projet de loi n'aurait vu le jour sans la qualité scientifique de ses recherches et sa détermination à changer la condition des enfants transgenres et de leurs familles. Chère Annie, la grande famille de Rogers se joint à moi pour souligner votre sens de l'initiative et votre créativité qui apporte des changements positifs et durables dans notre société. Toutes nos félicitations! Bien, en fait, moi, je suis formée en tant que travailleuse sociale. Donc, l'inclusion puis la justice sociale, c'est vraiment une valeur qui a toujours été très, très personnelle. C'est pour ça que j'ai choisi ma profession, si vous voulez. Et quand on a commencé à se rendre compte de l'identité de genre de mon enfant, ça m'a comme marquée de voir comment, en fait, notre famille puis notre enfant est en train de vivre une situation d'injustice. Parce que justement, la société québécoise ne permettait même pas à ce moment-là les changements de mention de sexe, ne reconnaissait même pas l'existence des enfants trans. Donc, pour moi, ça a comme fait un déclic. Puis j'enseigne des cours comme par exemple l'éthique, où je dis que c'est important de vivre les valeurs professionnelles dans tous les aspects du travail. Et ça fait comme, bien là, on vit une injustice, donc il faut se mobiliser. Je pense que d'avoir réussi à contribuer avoir participé à un changement, puis de rendre la société un petit peu plus juste et meilleure pour les enfants trans. Je pense que c'est la plus grande réalisation, là. Le travail qu'on a accompli, je vais dire qu'on a accompli parce qu'il y a tellement plusieurs personnes qui sont impliquées dans tout ça, ça a vraiment un impact sur plusieurs enfants, puis je dirais même à la limite sur presque tous les enfants, parce que ce qu'on parle quand ils sont tout petits, c'est des stéréotypes de genre. Je pense qu'étant donné que j'ai été beaucoup impliquée au niveau de la cause des enfants trans, puis que je suis moi-même une maman, donc c'est pas juste un chapeau de chercheur, c'est aussi un chapeau de parent engagé. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisie. Je produis des projets de recherche qui sont engagés et qui sont engageants pour les jeunes, parce qu'on essaie vraiment de les engager dans les projets de recherche, pas juste comme des participants, mais aussi comme des personnes ressources. Des personnes qui passent des entrevues, des personnes qui donnent leur avis sur les projets, vraiment sont au cœur de... On essaie d'y mettre le plus possible, de laisser la plus grande place possible au niveau des projets pour les jeunes. Pourquoi le Why est important? Bien, c'est parce que ça valorise vraiment le travail des femmes. Pour moi, c'est important parce que dans le milieu universitaire, c'est un monde qui est dominé beaucoup par les hommes et je trouve qu'on ne reconnaît pas toujours le travail qui est fait par les femmes. Et je trouve que le travail de la Fondation du Why et des femmes, c'est vraiment là pour reconnaître le travail qu'on fait comme étant important et le valoriser puis donner sa place qu'il mérite au niveau de la société.